Nous sommes dimanche et c'est le week-end labordé aux États-Unis. Donc on a le samedi, le dimanche et le lundi férié parce que le labordé c'est lundi. Et donc aujourd'hui, eh bien, avec Catherine et Thierry, on va se faire un pique-nique et un barbecue. Où ça? Pas très loin de Las Vegas, à peu près une heure de route de Las Vegas. Ça s'appelle Cottonwood Cove. Voilà, et c'est au bord du Colorado. Et voilà, Sean qui est en train de tirer. Et voilà. Et ici, eh bien, c'est le fleuve Colorado, hein, qui vient de traverser le Grand Canyon, pas très loin, qui n'est pas très très loin d'ici. Alors donc, on va voir Sean monter le canopy. Sean et Thierry vont monter le canopy. On va voir ça. On a fini de monter le fameux canopy. Voilà, bravo Sean, bravo Thierry, bravo Catherine. Et bien voilà, donc on a commencé notre petit barbecue, hein, sur la petite plage au bord du Colorado. On a mis 1h30 pour monter le canopy. Voilà, on a mis 1h30. Donc on voit, le canopy est bien fait. Et Catherine, Thierry, on a mis les bidons d'eau, et Sean. Alors là, on a eu des merguez. Hein, qu'on a pavé et on est en train de faire le barbecue. Au charbon d'ailleurs. Voilà. Alors le barbecue au charbon, pourquoi? Parce que normalement c'est un barbecue au gaz. Comme vous pouvez voir, il y a même les bouteilles de gaz quelque part. Voilà. Mais les bouteilles de gaz, en tout cas le barbecue n'a pas fonctionné. Donc il a fallu qu'on aille chercher du charbon de bois que Thierry va nous montrer. Voilà. Du Kingsford, voilà. C'est d'excellente qualité, il prend feu très facilement, je vous le recommande particulièrement, c'est le meilleur. Voilà, donc maintenant notre barbecue, eh ben, c'est un barbecue hybride, c'est-à-dire qu'il peut fonctionner au gaz et au charbon. Voilà, allez, je vous dis à plus tard. Thank you.